Allez, le halo stellaire débloqué, il faut que j'aille voir du pétrole, les pétroles là. C'est vraiment pas mal ça quand on joue. Quand on joue mana. Et dans 5 fléaux, donc honnêtement, cette partie ou la prochaine, on débloque une nouvelle faux. Donc ça peut être vachement bien. Allez, je tente une dernière partie et puis après on va sur Rimworld, bien sûr. Alors on a quoi? Je prends 100 Soulari et je prends 32 dégâts. Bah let's go. Vaincre le premier fléau sans se faire toucher. Et si j'arrive à le faire, non seulement je prends 32 dégâts maintenant, mais si j'arrive à le faire, je gagne une arme bleue. Ça m'intéresse pas. 10 ennemis à moins d'une minute. Easy. Largement easy. Hein. Sauf que vaincre le deuxième Tanager à moins de 10 minutes, ça c'est un peu plus compliqué. On va prendre ça. Deux anima si je tue 10 ennemis à moins d'une minute. C'est parti. Alors, on a quoi? On a les faucilles, on a la faux. Et on a l'ombrelle. L'ombrelle, je la joue pas assez, mais... On va jouer l'ombrelle, vous savez, je la joue pas. Donc on va la jouer là pour moi. Allez. Et de deux. Ça. Très bien. Alors c'est pas si terrible si on peut pas le spawner. Le soin pur de 30, j'aurais peut-être dû attendre avant de le prendre. Et là on a quoi? On a assurance vie qui est très très bien, 22 dégâts de base sur les ennemis. La ruée qui peut se recharger en 25% de temps, je pense qu'on va partir sur ça. Parce qu'on sait pas encore sur quel stuff on va aller. C'est pas dégueu d'avoir la ruée plus rapide en vrai. Alors, c'est parti pour le stock d'équipement. Attaque du bas, c'est ça, c'est un bouclier. Attaque en l'air, c'est quoi? C'est ça, ok. C'est un peu rien, mais par ici. On se rapproche s'il plaît. Merci. Trop gentil. Et petit anima, très bien. Ça fait pas trop de dégâts cette merde. Améliorer peut-être c'est bien, mais là pour le moment c'est pas bien. Alors on a quoi ici? Le givre épique, pourquoi pas. C'est un très bon sort le givre épique. Parce qu'améliorer, il augmente le... Enfin, il proc de manière périodique, donc c'est pas dégueu. Du coup, on va partir sur du mana. On va peut-être jouer sort. Peut-être. Peut-être. On sait pas. On sait pas, on sait pas.
Eh, tombe, s'il te plaît. L'ombrelle, c'est vraiment pas terrible. Pour le coup, c'est pas insane. Parce que là, les ennemis, je leur mets 4 et 9 de dégâts. Dès qu'on va arriver sur l'étage de... Genre dans un étage, je crois. Les ennemis vont gagner 5 de défense. Donc tous les coups qui sont inférieurs à 5 ne vont pas faire de dégâts. Enfin, inférieur est égal à 5. Ce qui veut dire que pas mal de mes dégâts vont pas faire de dégâts en fait. Et ça va être très compliqué. Un prismium d'entrée de jeu. Ah vas-y, je prends le prismium, mais tant pis. Hein. On sait pas, mais peut-être que l'ombrelle améliorée niveau max, c'est un truc de dingue. Hein. Peut-être. Hein. En vrai, je la joue tellement pas que je sais pas ce qu'elle fait améliorer. Et non, mais j'ai fait ça. Faut que je teste quelque chose ailleurs. Okay. Donc le parapluie n'est pas une protection. La seule protection, c'est ça. Ça, ça ne protège pas. Fait que je teste, hein. Fait que je sache. Je le sache maintenant. Et de la vita, pourquoi pas. Est-ce que je vais me faire un café ou est-ce que je vais me faire un petit coca? Un café plutôt parce que je prends assez de sucre en ce moment. Un café sucré bien sûr, je prends non plus. Je pense que je vais vendre ça. En vrai j'aimerais voir... améliorer ce que ça donne, donc je vais pas le vendre de suite. On va attendre un petit peu. Est-ce qu'on prend la malédiction? Ouais, j'ai eu 100 balles en plus, donc on va prendre la malédiction. Et on a quoi? 15 PV max et 5% de chance d'infliger. Percé, 100% de régénération de mana, mais la cape obtient un temps de recharge de ouf. En vrai, le mana, les HP, hein. Les HP, c'est une valeur fiable. Quoi qu'il arrive, les HP seront utiles, donc... Ils peuvent invoquer les ennemis plus puissants. Ouais... Ouais, bon, allez, vas-y, peu importe ce que je vais dire. Aïe, 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 on a Brad Pierre Proton, donc la version améliorée de Brad. J'ai pas un stuff insane, y'a moyen qu'il me tue, hein. Y'a clairement moyen qu'il me tue, hein. Qu'est-ce qu'il t'a promis en échange de matériel au passage? Une gourmette plaquée or? Ça. Non, c'est confidentiel. Non mais j'étais pas le temps, ça va aussi.
Raté. J'ai tapé à l'envers, du coup je l'ai pas tué. Confidentiel, répète-moi ça pour voir. Gargouille de malheur, allez crache ta pastille. Ah non mais je vous jure, c'est pas moi, c'est grand patron, c'est lui qui dit quoi faire, je sais rien. Je suis ton grand patron, rassois, grave-toi ça au fond de l'oreillette. Et du coup la version du jeu, le lore, est de... enfin le lore est justifié parce que le temps en fait se répétait la même journée, donc grosso modo nous on se rappelle de ce qui se passe, mais pas les boss. Voilà, voilà. Quand je me fais toucher, ça remplit aussi la barre de frénésie, et ça peut être très très cool. Par contre, il faut que je pense à jouer frénésie. C'est pas quelque chose que je fais instinctivement. 20 points de mana max. Et ça, imprégnation, je sais pas si ça marche sur les spells en fait. Vous savez quoi, je vais tester. Je crois que ça marche pas sur les spells, mais je vais tester quand même. Ça peut être intéressant. Du coup, je joue quoi là? Je joue bleu, je joue rouge, je joue vert, je joue quoi? Je joue les trois, pour le moment, je joue les trois. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? 35 de vitesse. Hein. Oh. Il faut que je chope les goudrons, enfin les trucs pollués, donc il faut que je parte sur la pollution industrial. Pour l'objectif. Deux fois. Donc on a bien le saignement qui porte là-dessus. C'est très cool. Allez, j'ai lâché. Je suis en train de caler en fait, j'ai pas fait gaffe, mais je suis en train de caler. Hein. Je suis en train de Guillaume. Non, c'est pas grave. Ok, on l'a. Ouais, j'ai pas le temps de tout utiliser comme... J'ai bourré les animaux, je sais pas pourquoi. J'aurais pu me mettre full life. Dépôt de prismium. Mais oui, on va pouvoir mettre la folle niveau max. Parce que là, on joue pas le lion. Clairement, j'ai pas le stuff pour. On va juste essayer de terminer la run, clairement. Il faudra qu'un jour on se fasse aussi une run en facile pour essayer d'aller voir la vie. Parce que du coup, je crois savoir que c'est le boss qu'il y a avec le médaillon. Pas sûr, de l'info, ça se trouve, je me trompe. Et si je me trompe, ne me le dites pas. Mais ça pourrait être intéressant de voir ces patterns. Pourquoi il tape pas de suite, je comprends pas. On a gagné une anima et demi, on peut dire ça comme ça. Ce qui est très très bien. Le prismium. On a deux. C'est parti. Il va me falloir un local technique par contre. À un moment donné. S'il vous plaît.
frais dedans. Oh, le brise prima, il est pas mauvais. Hein. Il est pas mauvais, mais amélioré, on sait que c'est de la merde. Donc non, merci. Et clairement, c'est un bon truc. Hein. Il est pas insane, mais c'est un bon truc. Ok. Pas de soin ici. Enfin, pas de salle secrète. Ah, on l'a ici. Très bien. Ok, elle est là. Du pognon, c'est tellement décevant quand c'est du pognon, quoi. Pognon et boost, c'est décevant. Ça... Bon, après le pognon, il en faut, mais bon, c'est pas non plus obligatoire, je veux dire. Et 200 soulari passés avec deux prismium. Le Tanager 4XH, c'est. Celui qui va m'emmerder, je peux pas le jouer. Je vais jouer stock d'équipement plutôt. On sait jamais. Mais en vrai, avec l'ombrelle, je peux pas jouer au boss aussi. Aucune idée. Aucun ultis, pourquoi pas? Pour le boss, ça peut être bien. Ça m'a touché, très bien. Putain, ça m'a touché direct. Triple bonus, c'est tellement décevant. J'ai eu les plus décevants. Hein. On les a eu au moins, c'est cool. Ça n'a pas les empêcher de respawn, mais au moins c'est fait. Le Revel Arc. J'aime bien le Revel Arc. Mais je veux un local technique pour voir ce que ça fait le Halo Stellaire. Quoi. Mot lardon là. Le mot lardon. Et non pas le mot plus loin lardon, hein, bien sûr. Ça ne veut rien dire le mot lardon. Shuriken de merde, let's go. Alors, on a quoi? La cape inflige des dégâts supplémentaires, je m'en fous. La vague de flammes sur les ennemis, je m'en fous aussi. Obtenir 2 de défense, pourquoi pas. On peut jouer défense, on peut tenter de jouer défense saignement. Donc on est tanké, on met plein de coups pour faire propre le saignement de ouf. Ça peut être une solution, pourquoi pas. Local technique, merci. Alors, l'ombrelle niveau 3, ça fait quoi? Envoie les projectiles à chaque déviation de coup, très bien. 3 défenses à chaque déviation de coup. Temporaire ou...
Parce que du coup, l'ombrelle, ça se joue clairement défense. Hein. On va voir. Ça fait quoi du coup? Temps de recharge de 8 à 4 secondes, très bien. Plus de dégâts. Bon, ça, on sait ce que ça fait. Ça fait des cristaux. Plus de défense. Ouais, j'ai pas de pression. Ok. Ça. Tac. On passe de 15 à 25 de dégâts. Et on passe à 5 de défense. Donc là, on a 7 de défense au total. Très bien. On va prendre ça. Non, quoi, on va jouer à l'eau. Ou à l'eau stellaire, on a dit. On va contre la vitesse orbitale, pourquoi pas. Ok, donc on peut les stacker. Très bien. Ok, donc peut-être que niveau 3, ça devient débile. Est-ce que Goudron, il a des projectiles? Oui, il a des projectiles. On va pouvoir voir si la défense est augmentée de manière... périodique ou permanente. Temporaire ou permanente plutôt. Et après Goudron, on va aller se faire un petit goudron caféiné. Est-ce que la raison de tout cet excédent de pollution est liée à la tâche de gras qui fait cruncher mes employés? Une tâche de quoi? J'ai pas tout compris, mais d'accord. Ok, j'ai plus de défense et c'est temporaire, dommage. Je pense que tu avais parfaitement compris, au fond. T'as une phrase et ton est bizarre ou c'est moi? Je pense que tu avais parfaitement compris ou faut-il que je te le répète? Non, c'est moi. Ok. Non, ça ira comme ça. Ralentir la prod, voilà. On est tout beau, tout propre, le monde entier et tout le monde est content. Et ouais, lui, du coup, lui, il fait juste son job, on lui demande de ralentir et à chaque fois il dit oui. Sauf que comme le temps reboot, on va dire la journée, lui il se dit, go, on continue. Je pense que voilà, honnêtement, il a l'air plutôt partant, quoi. Y'a que Brad qui a l'air de se rappeler un petit peu. Enfin, ils se rappellent tous un petit peu, mais ils se rappellent pas autant que ce qu'ils devraient se rappeler, quoi. Alors, plus 1 de dégâts permanents à chaque fois que je consomme une anima, c'est excellent ça. L'info fait plus 10% de dégâts bonus, c'est excellent ça aussi. En vrai, je vais prendre ça parce qu'il y a une amélioration qui fait que tu peux. De manière périodique, générer une anima. C'est une minute. Donc, ça peut être vachement bien. Les Magma Boy X8 produisent une traînée de incandescente lorsqu'ils attaquent. La cape obtient un temps de recharge de 100%. On joue pas la cape. Let's go. Tout bien. Et on avait 10 cafés. Et on joue quoi comme... comme amélioration? On est parti sur du bleu, hein, je crois. C'est-à-dire qu'il faut que je joue Imamura. On est parti sur du bleu plutôt. Effectivement. On peut remplir le frigo. On va remplir le frigo. Et on a quoi? 75% d'objets de prix sur les objets de soins. C'est nul. C'est très très nul. Allez, je vais me faire un petit kawa, je reviens. J'en ai vraiment littéralement pour 2 minutes. Le temps de me mettre le café dans le verre et de le faire chauffer 1 minute au micro-ondes. Et je suis à vous. Hop. Alors. Du coup, on a dit qu'on joue bleu, hein, c'est ça? On joue bleu. C'est quoi l'amélioration que j'ai en rouge? Le saignement. Ah, donc c'est un truc qui pourrait augmenter le nombre de saignements si on continue sur les rangs. Donc plutôt jouer rouge, du coup. Parce que vert, c'est le mana. En vrai, vert, c'est les spells. Hein. On va quand même aller voir les maladies physiques, quand même. Je suis curieux. Le café est beaucoup trop chaud.
J'ai l'impression que la glace se tenue bien en vrai. C'est plutôt cool. Et ça se tourne, merci. J'ai eu du pognon. Je peux pas avoir une truc légendaire? Barrage de Wizard, on s'en fout. Clairement. On s'en fout, c'est pas intéressant. Stock de cap ou service malédiction, on va prendre les relances de malédiction parce que les caps, on a 100% de cooldown dessus. Donc pas intéressant. Je peux plus jouer cap en fait. Ou je joue spell, mais j'aimerais bien avoir un spell. Autre en fait. Éventuellement, c'est le seul arc qui m'intéresserait. Ben, c'est le seul objet de cap qui m'intéresserait. Mais non, tant pis. J'ai l'impression que la faux, enfin que la l'ombrelle a un meilleur taux de stun. Alors c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai un meilleur taux de stun. Vitam du moulard, du moulard. Je préfère du, je préfère un bon glaoui, un bon gros glaoui. Putain. Il y avait rien ici, il y avait rien ici. Très bien. Alors, la foule qui inflige 10 points de dégâts, très bien. Ça, gagner des HP mais perdre du mana, c'est de la merde. On est déjà à 0,4 secondes. Les papillons mortels pourraient déclencher du saignement. En vrai, c'est intéressant. Je vais jouer ça.
qui sont censés faire du saignement, donc ils feront des dégâts quoi qu'il arrive. C'est le problème des papillons, c'est qu'à la fin ils font plus de dégâts. Un petit prismium, allez un petit prismium, j'en ai eu 3 sur l'étage. Tout à l'heure j'en ai eu qu'un seul et c'est celui qui est obligatoire. Et là j'en ai déjà eu 3 quoi. Enfin ça va être mon troisième. Par contre beaucoup moins d'HP, beaucoup moins de malédiction, tout ça quoi. Il a tapé direct, c'est pas tapé, c'est con. Je m'attendais à ce qu'il se tp. Il a pas voulu. Ouais, c'est ça, les papillons mettent du saignement, c'est très bien. Ok, on a ça. Très bien. Ok, c'est pas grave non plus. Il me manque un passage. Je vais y aller. Il y a probablement rien, mais on sait jamais qu'il y a. Je sais pas, un ennemi qui me donne un prismium. Pas un prismium, mais. Des thunes ou un animal, peu importe. Et il y avait rien. Voilà. Dr. King Dengue, oui, vas-y, on prend ça. Avec le saignement, ça devrait aller vite, c'est le moustique. On va faire l'ulti de, des boulettes qui me suivent là. Et ça va le faire. J'ai quand même qui est beau sur le bord. J'ai l'impression que je peux pas tout cancel avec. Avec la ombrelle. Ouais. Parce que j'ai des dashs très rapides, mais. J'ai l'impression que je puisse tousser quand enfin, que je puisse quand ça me attaque. Je crois que c'est la première fois que je le stun. J'ai beaucoup de défense, mais je prends quand même beaucoup de coups. Allez, vas-y, 10 de dégâts flat sur la peau, c'est pas dégueu. C'est pas insane, mais c'est pas dégueu. Et on va avoir un petit local technique, bien sûr. Alors, on peut augmenter ça rang 3. Le crashen d'acier, c'est l'attaque ultime. J'ai envie d'améliorer ça. On va faire ça.
dans un premier temps. Voilà. Ah, le halo stellaire, proc, brûlure, et on peut le faire toutes les 2 secondes. Ah ouais, d'accord. On a un très bon stuff. Je vais dépenser le prismium ici. Voilà. De temps en temps, on déclenche de la pluie. Pourquoi pas. À savoir la portée de la pluie, est-ce que c'est comme l'attaque ultime ou pas. Ah, c'est que sur moi, d'accord, très bien. Oui, ce clavier de mort de fur. Je vais tout déglinguer. J'ai une méthode pédagogique pour régler ce problème. On va se déporter sur une solution plus efficace. Ça marche plutôt bien en vrai. Je suis étonné de voir que ça marche aussi bien. Après, il faut voir sur un boss qui a beaucoup d'HP. crash. C'est sans doute le problème de cette solution. C'est un peu hygiénique. C'est peu hygiénique, pardon. En vrai, je l'ai lavé. Hein. C'est le goudron, tout ça. Enfin, c'est le problème de santé. Je l'ai lavé, quoi. Donc, moi, je dis que c'est raccord. C'est si fort ça. C'est si fort. Vu que je joue défense, je prends peu de dégâts. Chaque fois je prends des dégâts. Mais je en prends pas beaucoup. En vrai les deux, si je pouvais en prendre deux, je prendrais les deux. Mais je peux en prendre qu'un. On va prendre le dégât supplémentaire. Les sbires infligent plus 10 de dégâts dans ce département. Ben oui, le département est terminé, donc vas-y. Y'a pas de soucis. Très bien, nouveau dialogue, c'est cool. Et là, tu regardes droit dans ses petits yeux vitreux et tu lui dis « Non mec, je connais tes trucs de politique commerciale à 2 balles. Tu t'écrases ou je t'écrase. » Ah, mais j'arriverai jamais à gronder Monsieur Bulle comme ça. Mais si, petit, faut que t'observes plus le patron quand il cause. Et qu'il le démolit. Bon, je note que le dialogue reste quand même la meilleure des solutions. Pour régler les soucis. Ibi. Ibi, j'ai dit. Je sais que vous éliminez un tanager. Eh bien, let's go, je le prends. Parce que comme ça, j'évite les tanagers. Et comme ça, on est bon. Super des HP. On vit dans une saucisse, tout à fait, Bouga. Bonjour à toi. On augmente les malédictions bleues et c'est parti. Donc en plus, on évite le Tanager, donc on évite Sinistro, Cyrus, ou je sais pas quoi, là, le nuage à la con que je ne sais pas comment jouer. Même si je pense qu'à l'ombrelle, en vrai, il doit être facile parce qu'il fait que des projectiles. Je peux tout dévier comme ça, donc c'est cool. Comment ça va, Bouga? Allez, saute. Oh le bâtard, il est en dehors de l'écran, il m'a chopé. Allez, saute, saute. Merci. Ah.
Oh, ces éclairs passent au sol, en train de couper les boulettes. J'ai pris si cher. Allez, saute. Merci. Et c'est de la merde. Ça va être dur, pour Imamura là, ça va être très très dur. Ok. Oh le roquette. Oh le roquette qui peut me mettre bien. Il est déjà amélioré rang 2 en plus. Oh là là. Je joue pas cap par contre. Ouais non mais roquette. Ça m'a touché, le feu est persistant. Il est passé par-dessus ce petit rebord, je pensais pas. Je pensais que ça allait bloquer. Alors. J'ai plus de vie, j'ai beaucoup de défense, mais j'ai pas de vie. 200 HP, tard, j'en avais quasiment 400. Et j'ai quand même réussi à canner, donc bon. Et surtout, je suis à 80 HP max. Et ça, mine de rien, c'est pas ouf. Si j'arrive à avoir l'amélioration qui me fournit des animaux de manière illimitée, je peux vous dire qu'on va pas rôter. On va clairement pas rôter. Là, voilà. De la merde. Mais j'étais même pas là, il me saute dessus ce con. Allez, s'il te plaît. Alors, obtenir du vol de vie, je m'en fous. La cape qui fait des dégâts, je m'en fous. De missions supplémentaires, je m'en fous. L'effet parodique obtient 45% de recharge, je m'en fous. Oui. Et si on peut avoir maintenant l'amélioration qui fait que périodiquement, enfin les effets périodiques sont rechargés plus vite, ça serait insane. Voilà, chaque minute, je vais régénérer une anima. Et il y a moyen, du coup, pour avoir 3 animas dorés, il faut que j'attende 6 minutes. Il y a moyen qu'on le fasse, hein, pour le boss, que je me remette full life. On va partir sur un service vita. Parce que le mana, là, il est plus assez dépensé, donc je m'en fous. Donc n'oubliez pas, chaque coup que je prends plus un dégât. J'ai de quoi me soigner en illimité. Juste que ça prend du temps, mais je peux me soigner en illimité. Surtout j'ai de la défense, donc je peux prendre beaucoup de coups. Sans trop, comment dire. Sans trop canner vite, quoi. Là, faut le dire vite, quoi. Oh.
l'anima est là, hein. Je vais attendre le truc. Allez, anima. Les bonus que j'ai eu avec les salles secrètes, ça a été que de la merde tout le temps. Ça m'évite d'attendre une minute. On va voir pour soit générer des animaux. Ça donne la qualité. C'est très cool. Qu'est-ce qu'on a? Stock de cap, relance malédiction. On va prendre le relance malédiction. On est déjà, mais on va le prendre quand même. Si je passe en tous les 50 HP, je me mets à attendre. Avant ça, c'est pas trop la peine. Vers le bas pour faire ça, plutôt que j'ai pas lâché, j'ai été vers le bas pour faire ça. Ça tâche pas, pas gaffe. D'accord. Faire ça correctement, c'est peut-être le jeu. Et j'ai pris si cher pour rien. Incroyable. Ok, je pense que c'est bon. Alors, on a quoi? Un magasin local technique. Local technique, qu'est-ce que je peux monter là? Rien. Il me faut 250, donc on va aller prendre le magasin. C'est parti. Parce que j'ai pas les thunes. Allez, on va prendre ça du coup. Tac. Ok, on a de quoi se soigner, très bien. On a aussi le Bémiolmir à 30, il a combien? Il a une amélioration, du coup je le vends 20. Du coup j'y perds. On va prendre ça. Est-ce qu'on peut avoir les effets périodiques qui vont plus vite? Je pourrais prendre ça, ça peut être bien. Ça peut être bien ça aussi. Hein. Oui, on a genre 35 secondes au lieu d'une minute pour avoir les animaux. Let's go! Très très bien. On va prendre Mjolnir. On va ici. Et on perd 10 balles. Mais ça m'avance sur le truc de refil les trucs. Très bien. Étage hasardeux, voyons voir qu'est-ce qu'on a.
Dans tous les cas, pour le boss, je vais attendre d'être full life. Enfin, full. Ah oui, la pluie, là, le crashing est très très bien. On va attendre. On va attendre, tout simplement. Est-ce que j'y avais pas pissé en vrai? Avec bizarre les contrôles. Ça fait pas comme d'hab. Ah voilà, quand même. Allez, vous savez quoi, je vais pisser. Je reviens. Je vais vous mettre un petit chrono. Où est-ce que je parle le chrono? On va faire ça. Il est où le chrono? Minuteur, copier. Hop. Quoique, ben non, en fait, je suis vraiment pas obligé de faire ça, je peux faire. Oui, j'ai supprimé une minuteur, je peux juste faire ça, en fait. Voilà, je reviens. Bon, on y est bientôt, hein. On y est bientôt. Est-ce que je peux récupérer le... Hop là, voilà. J'ai perdu tout le monde, j'imagine. C'est pas grave. C'est pas... On y va pour s'emmerder. Ok. Allez, j'ai bientôt la dernière anima, c'est cool. On est full life, c'est très très bien. J'attends quand même, au cas où que le dernier truc, le temps ne défile pas. Et dès qu'on l'a, on part voir Imamura avec 200 HP, c'est pas beaucoup. C'est clairement pas beaucoup.
J'espère que mon stuff sera assez bien pour elle. C'est parti. Oui, non, ça c'est... Non. Déjà vu. D'accord. Elle est pas simple de s'occuper. Mon stuff fait Mamma Mia. Je mets tellement de hits. C'est quoi cette bestiole? Oh non, c'est une fourmi volante, putain. Non. Non, non, non. Pas comme ça, Zinedine. Pas des fourmis volantes, pas maintenant. Ah putain, il faut que j'aille voir si... Parce qu'on a potentiellement une infestation de fourmis dans les poutres. Il faut que j'aille voir si la fourmi volante elle vient de là ou pas. Je reviens. J'espère que ça vient pas de là, sinon on va être envahi. Je ne suis pas désobligeante, je vous interdis de le penser. Ah si si. Ah si si. Et pour une fois, vous tapez dans le mille. Vous êtes désobéissante et désobligeante. Bon, stuff est... très très bien, je mets tellement de heal en fait que... Avec l'attaque ultime, je régénère attaque ultime, donc je peux rester en attaque ultime permanente. Et c'est vraiment pas dégueu. Hop, on va se foutre soigner. Très bien. Et on a... Périodique, c'est pas mal, vu que j'ai un truc qui fait que je périodique. voyons voir, on a quoi? Je sais pas ce que j'ai, si. Ah non, je peux pas savoir, je peux pas voir ce que j'ai déjà. Ok. On va enlever ça. On va enlever ça. La durée du saignement de 100%, c'est très très bien. C'est très très bien. Les sbires hein, fiche 7 de dégâts, le prix de votre prochain achat augmente de 15%. Ok, c'est gratuit. Je préfère garder mon truc anti-malédiction pour plus tard. On est tellement yemb, vraiment. J'ai sous-estimé ce stuff, hein. Je me suis dit, putain, ça va être trop léger. En fait, le saignement avec la multitude de dégâts que j'ai est complètement incroyable. Et au final, mon roquette ne me sert à rien. C'est triste. J'ai drop le roquette. Rang 2. Il n'est pas utilisé. Je pense que je vais l'utiliser sur cet étage-là. Clairement, parce que je vais... Je vais rencontrer pas mal d'ennemis tankés. Mais sinon... en vrai, dans les combats, il va pas être utile du tout. Ah, je me disais, j'ai raté le prismium. Oui, j'ai raté le prismium. Il est par là. Si je peux améliorer ça à niveau 3, en vrai, j'inflige brûlure en plus. Let's go, quoi. Je mets un nombre de dots incroyable. Alors, service vital mana, relance, malédiction ou Soulari Prismium. En vrai, si j'ai un local technique et que j'arrive à avoir 250 balles, je peux augmenter 2 trucs level 3. Donc je prends ça. C'est parti.
C'est ici qu'il y avait le truc? Oh, c'était pas là. C'est là? Ouais, c'était là. Putain. Ouais, oh, j'étais pas loin, hein. Vas-y. J'attends l'anima bleu. J'étais clairement pas loin, je l'ai utilisé ici, quoi. Ça va. Allez. Donc, j'ai calculé, c'est bien 35 secondes. Au cas où je m'en fasse toucher, j'aurai de quoi faire le plein ici. En vrai, c'est pas dégueu. On veut parler de ça la dernière fois. Ça va aller les animaux là? Est-ce que j'ai l'amélioration qui fait que... Non, c'est la riposte qui me donne... Si, j'ai plus un dégât bonus en ayant consommé une anima, donc oui, let's go. Oui, vas-y. Attends. Oui. Attends, on va brouiller les dégâts, mon pote. Hein. Est-ce que je peux voir mes dégâts? Non, hein, toujours pas. Hein. T'as tout sauf les dégâts. Et c'est les dégâts qui t'intéressent. Hein. Tu veux savoir les dégâts que t'as et... Je peux pas savoir. Bah non, bro. Tu sauras pas, en fait, bro. On a les 250 passés, c'est très cool. Est-ce que, prochain étage, je me ferai pas toucher volontairement plusieurs fois? Local technique. Ben, c'est exactement ce que j'ai besoin. Let's go. On va mettre, du coup, les boulettes qui tournent au niveau 3. Et le bazooka niveau 3, je pense. Ou à full level 3, peut-être. Je sais pas si la full level 3 ou pas. On a la full level 3, déjà. Donc là, on a la boule, hein. Et là, on a les dégâts supplémentaires. Voilà. Très bien. J'ai plus mana pour le spammer, mais c'est pas grave. Bureau de Dumoulard. Si je prends mon temps, je pense que ça se fait. Hein. Oh putain, le bâtard. Ok, il me met 32 HP quand même. Hein. Ils sont morts devant mes yeux, putain. Fais chier. Mais je peux pas faire attaque. J'ai un énorme coulant sur attaque du haut, ça aussi. Donc. Ouais, j'ai un énorme coulant sur attaque sautée, quoi. Très bien.
Mais ils font tous 32 de dégâts, très bien. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a? La four qui fait 35% de dégâts bonus, je passe à 120, et là je fais 25, mais le bazooka aussi. Le bazooka va m'aider. En vrai, ça aussi, c'est excellent. Je peux les générer et elles me font un énorme soin, donc en vrai, donc autant prendre ça. Clairement, autant prendre ça. Au local technique, augmente de 15%, c'est sympa, j'ai fini le local technique, j'ai plus besoin d'y aller. Let's go. Je pense que je vais essayer de me faire bourrer les HP un petit peu. Est-ce que j'avais un truc avec des dégâts, par hasard? Si j'ai un truc qui peut me mettre des dégâts, je le fais. Genre, je me bourre la gueule de dégâts. Honnêtement. Si j'en ai pas, tant pis. Est-ce qu'on avait ça par là? Oui. Attends. On peut tricher. Je prends plus un damage à chaque fois, je prends pas de dégâts. Et j'ai trop de défense. C'est débile. Et je me soigne un petit coup quand même. Non, c'est débile. Bon, ben écoutez. Dommage qu'on ait pas la stat de dégâts affichée, parce que clairement, je suis curieux de savoir combien je vais monter. Est-ce que je peux voir mes dégâts quelque part? Là je suis à 126 d'attaque, on va voir. 2 4, je devrais être à 130. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas le médaillon. Ça me casse les couilles, j'ai pas le médaillon. S'il y a un moment où je pense où je découvre un boss et je le démonte, c'est maintenant. Honnêtement. Voilà, ça va consommer tous les animaux. Et jusqu'à... Alors je suis désolé pour le spammage de son, en vrai on va baisser peut-être l'audio, vite off. Jusqu'à que les animaux soient remontés, on va prendre des dégâts. Ça vous va? Donc littéralement 35 x 3 ça fait 90, ça fait 115, 230 secondes, ça fait quasiment 4 minutes. Ça fait 3 minutes 50. Pendant 3 minutes 50 on fait ça. En espérant que le jeu il est pas un anti-glitch et qu'à un moment donné il me one-shot avec les pics, tu vois. J'espère qu'il me mettra qu'il me préviendra à la base, faire avant ça. C'est le premier GB entre guillemets du jeu quoi. Le premier GB que je fais, ok. Ben pourquoi pas. Pourquoi pas. Putain, on va battre la crise 3 avec l'ombrelle. Si on m'avait dit j'allais battre avec l'ombrelle, sans déconner. Après l'ombrelle est très très forte. Hein. La défense bonus, c'est insane. Hein. Plus 8 de défense, je pense que c'est pour ça que je prends pas de coups en vrai. Je suis à 10 de défense là, en fait. Je crois. Et de 2 animaux sur 6. Parce qu'on veut les dorer bien sûr. Juste pour voir, on a combien de dégâts là? 189 de dégâts. Ils ont pas mis de cap maximum, c'est con. So long pour eux. Oh le temps, les Brigitte, je vais les déboîter. Hein. Mon Krachen là, il doit faire tellement mal. Mon attaque passive doit faire beaucoup trop mal en fait. Il y a un monde où j'ai même pas le temps de jouer, juste la pluie sur les Brigitte, les one-shot. Ça serait quand même incroyable. Si c'est le cas, ça serait incroyable. Ah, oh, si je bouge, j'ai ça va plus vite. Bon, vas-y. Du coup,
coup, si tu bouges, ça va plus. Tiens, le temps qu'on a perdu, j'aurais pu tellement avoir plus de dégâts. Allez, plus que 70 secondes. C'est moins long, enfin c'est le même temps que le coït humain, donc let's go, vous avez le temps de faire une petite baisse et de revenir. Et on termine en même temps comme ça. Putain, le temps que j'ai perdu, genre c'est littéralement presque, enfin c'est deux fois plus rapide en termes de... Si je bouge, la frame d'indurabilité ne dure pas quoi. Heureusement qu'on n'a pas pris le truc que à chaque riposte on gagne 0,5 de frame d'invulnérabilité parce que sinon on n'aurait pas pu farmer comme ça quoi. Allez, plus que environ 20 secondes je dirais. On vit dans une saucisse ces gens. Incroyable. On a combien de dégâts vous, à peu près vous, est-ce que vous avez compté? Moi je pense qu'on va être dans les 250. Allez, on s'en va de là. On est à 326. Oh ça va partir sur YouTube ça. ça va partir sur YouTube pour le coup. Clairement, je sais pas quand c'est qu'ils vont voir ça, mais ils vont le voir. Hein. Je pourrais farmer tellement plus. En vrai de vrai, je pourrais farmer, mais je pourrais passer un just chatting pendant qu'on farme ça. Parce que je peux farmer encore plus vite avec les animaux. Hein. Mais bon, l'étage n'est pas terminé, enfin le niveau n'est pas terminé. Donc, pourquoi pas, hein. Il me reste encore un truc à faire. On va aller voir un dépôt d'anima, bien sûr, pour stacker du damage en plus, et puis let's go. Je dis ça, ça se trouve, je perds. Hein. Imaginez, je perds. Hein. Imaginez, le nul, il perd. La pluie lui a mis du 237. Oh non, je me suis fait toucher. Ça alors. Ah, je peux pas rester sur les pics. Oh mais arrête. Voilà, je voulais aller là. Oh oui, mais attends, mais mes petits trucs qui tournent aussi font du 200 de dégâts. attends. Les halostères sont à 300 d'attaque. Attends, mais le roquette il a combien du coup? Ah, ça va, en vrai. Y'a pas tant de dégâts que ça, je suis déçu. Bon, le saignement n'est plus le. n'est plus le main DPS de mon truc, hein, clairement. On va consommer une anima parce que sinon ça se recharge pour rien. Ah oui. Allez. Donc là on arrive au bloc du temps. On peut monter là? Non, évidemment, ça va être une fausse plateforme. Ouais. Allez, j'attends que ça se charge juste. On peut aller farmer peut-être un petit peu, non? Pas en 30 secondes. Je crois qu'il y avait des pics tout à l'heure. Est-ce que j'aurai le temps de farmer? Pas sûr, mais... Quitte à attendre, hein. Quitte à attendre, autant farmer un petit peu. Là, j'ai 30 secondes à farmer. Allez. On a pris plus 27 de dégâts. Let's go. Attends, j'ai pris 27 touches là? Ouais. Putain, on dirait pas.
Ça là, ça multi de ouf et ça fait 300 de dégâts. Oh les Brigitte, elles vont faire la gueule. Ça se trouve, je vais faire la gueule sur les Brigitte, c'est possible aussi. Allez, venez ici, je vous pète la gueule. Voilà, je m'en fous qu'elle m'ait touché. Je m'en fous complètement. On va foutre le régène avant. Hop, voilà. Ah, oh, bah c'est gentil ça. C'est gentil ça. Alors qu'est-ce qu'on a en dernier? 5 de défense. ça c'est très fort aussi. Lance un papillon quand tu attaques. En vrai, ça va combler le saignement. Je vais faire du multi-hit. Oh, je vais tirer des papillons en masse. Oh, ça va être joli. J'avais ça avec les moustiques, c'est incroyable. Je jouais plus. Son cheval n'est point scellé, mais son plomb toujours dressé. Ah mais stop, au bout d'un moment, ça va. On s'en cogne de tes devinettes à la mort moins deux. Son cheval n'est point scellé, mais son plomb toujours dressé, perdu ou gagné, est-elle toujours livrée? Qui est-elle? La bataille. Allez, même moi je l'avais, pour le coup. C'est facile ce jeu, non? Un vrai jeu de débile, exactement. Oh ouais, un peu de bon esprit, faut être fair play. J'y passe du temps, moi, sur ces énigmes. Obligation de moyens, pas d'obligation de résultat. Oui, ça va, merci le temps, ça y est. Manquait plus qu'on me fasse cabahuter partout pour récupérer les clés ou un truc du genre. Oh, si j'avais ramassé le médaillon, putain, ce stuff que j'avais. YouTube, petit recap pour toi, hein. D'ailleurs, je t'ai pas dit bonjour, mais voilà. Bon, le Rocket à 363, on s'en fout, clairement. Mais ça, 334 sur le Halo Stellaire, 363 sur... sur ça, c'est très bien, très très bien. Allez, et c'est fini. C'est très long. Thanks. Ah ouais, je sais, j'imite très bien le mec qui va très très vite. Non, non, mais le stuff est incroyable. Vacances écourtées. Et ben voilà, ma foi. Très très bien, on a fait une très très bonne run. Et let's go quoi. On a tué 512 ennemis. Très très bien. Incroyable. J'ai envie de dire incroyable. Et ben des runs comme ça, on en fera pas souvent, hein, putain. On a débloqué quoi, voyons voir. On va débloquer la serpette du coup, c'est très très bien.
Et l'escavore, c'est quoi? C'est tuer le temps. Encore deux fois et on a l'escavore. Ok. Une énergie qui émane de 6 pieds sous terre. Ah oui, c'est le... C'est le truc... C'est faux qui tombe. Ok. Eh bien, ma foi. Crise 4, on a quoi? Récolter moins de soulari sur les fléaux et les tanagers. Tous les prix augmentent de 25%. Très bien. Et c'est tout. Rien de nouveau. Ah, ok. Mais le jeu est trop bien. Le jeu est beaucoup trop bien. Et je sais qu'à regarder, il est moins bien qu'à jouer, mais vraiment, si vous pouvez l'acheter pour y jouer, faites-le. Clairement, il est vraiment trop bien. Les niveaux sont très répétitifs, mais en fait, les boss sont tellement bien designés et tout, t'as tellement... un milliard de constructions de builds possibles, même si plus t'avances dans les crises et plus ton nombre de builds potentiels est limité. En vrai de vrai, le jeu est ouf quoi. Et là, on n'a même pas encore vu le dernier boss. Hein. Le vrai dernier boss, on l'a pas encore vu. Et en vrai, avec le build que j'avais, j'aurais pu lui rouler dessus sans voir ses patterns quoi. Mais bon, écoute YouTube, merci d'avoir suivi ça. Hein, YouTube, voilà, je sais que tu verras ça. Il faut juste que je me rappelle de télécharger la VOD et de la monter pour la mettre sur le YouTube, tout simplement. Vous aurez probablement pas les 60 essais qu'il y a eu avant. Il y en aura quelques-uns, mais pas tous. Et c'est cool, on progresse en vrai de vrai. Donc, probablement que demain soir, quand je relancerai le jeu, parce que là, on va passer sur Rimworld. Probablement... Donc, oui, ciao YouTube, pardon. Excuse-moi YouTube, ciao.